Pour la vaccination, je leur donne des informations sur le produit, qu'est-ce que c'est que cette vaccination que je leur demande de faire et qu'est-ce que cela a comme impact sur la santé de l'enfant. Elles sont pour la majorité réceptives. Elles comprennent très bien que c'est un atout majeur et surtout dans les maladies comme la poliomyélite qui est invalide. Nous les montrons très souvent aussi des images des enfants qui ont eu à avoir ces infections. Et autour de nous, on cite des cas. Parfois, même on fait des causeries, on les invite à causer avec les mamans. Moi, j'ai un membre au moins de ma famille qui a souffert de la poliomyélite et qui a des séquelles. Il est handicapé. Ça a beaucoup changé. Les enfants malades de la poliomyélite, par exemple, sont très rares. On les voit rarement. Alors qu'avant, vraiment, c'était prépondérant.